Et re-bonjour, voilà. Ben écoutez, nous voilà pour un petit haul action. J'ai trouvé quelques petites choses. Donc je vais vous indiquer tout ça. Donc ben on va commencer. Donc pour commencer, j'ai trouvé cette série d'autocollants, de stickers. Donc avec les lettres. Alors j'adore ces stickers. C'est vraiment sympa. Donc il y a plusieurs modèles. Donc, vous avez là le modèle avec, on dirait je crois que c'est comme des zébrures d'animaux, quelque chose comme ça. Elles ont l'air d'être plutôt dorées jaunes. Je vais essayer que ça brille pas trop. Là, je crois que là, c'est pas mal. Donc, voilà pour celle-ci. On a cette couleur, donc plutôt en noir argenté. Très joli. Noir gris peut-être. Elles ont l'air d'être un petit peu zébrées. C'est pas pur noir. On a cette série-là plus en couleur. Donc, ouais, c'est plutôt coloré. Donc, ça fait un peu mosaïque. Hein, c'est ça. Voilà. Ensuite, après, on a plutôt couleur blanc. Je crois que c'est en pourtour argenté. Gris. Et là, pareil, on a des fonds. Je pense que c'est dans les blancs, blanc-gris peut-être. Voilà, en gros. Et ici, un nouveau blanc avec comme du moucheté à l'intérieur. Voilà, c'est très 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 joli. Voilà, ça brille. Alors ça a coûté combien? Mes stickers. Faut toujours que je cherche. J'arrive. Je crois que c'était 79 centimes la planche. Il me semble que c'est 79 centimes. J'arrive pas à les voir sur mon. Bon, écoutez, il me semble que c'est 79 centimes la planche. Donc, à vérifier, mais voilà, je vous tiendrai au courant. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé ces stylos, ces jolis stylos qui écrivent bleu. Donc, voilà. Ils ont l'air très sympa. J'adore les stylos. Et puis, j'aime bien mettre des stylos quand j'envoie des choses. Je trouve que ça complète un peu. Ils sont très jolis, ouais. Ils sont très 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 jolis. Ils sont un peu marbrés. Alors, il faut que je vous montre comme ça. Voilà. Très très joli, ça c'est le packaging. Les stylos, il me semble. 0,79. Les deux pièces. 0,79 centimes les deux pièces. Et j'ai trouvé d'autres sortes. Ah, les autocollants, c'était 0,74 centimes. Alphabet, voilà, ça s'appelait autocollant. Moi, je croyais que c'était stickers. Voilà. Donc, j'arrive mieux à voir là. Donc 74 centimes les lettres d'alphabet précédentes. Les stylos 0,79 centimes.
Et les suivants aussi, ceux-là, pareil. Très très joli. Donc, voilà. Ceux-là, ils sont enveloppés comme ça. Pareil, ils sont tout simples. 79 centimes. Voilà. Donc, ils sont très jolis. Un argenté et un rose, il me semble. C'est rose ou jaune, je sais pas trop. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris un petit carnet comme ceci. J'adore, je le trouve très joli. Donc, avec un petit chien. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. Vous avez donc une première série de pages lignées. Ensuite, on a un onglet avec un petit intercalaire. À nouveau, une série de pages. Et puis, à nouveau, un onglet, une série de pages. Voilà. Et à la fin, on a ce joli dessin de toutou de chien. Voilà, ça c'est, il me semble, 49 centimes. Le carnet. Où es-tu, petit carnet? La prochaine fois, peut-être que je mettrai les prix à côté, en gros, pour que je puisse mieux voir. Mini carnet, 48 centimes, 49 centimes. 49, c'est ça. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, c'est sympa. Voilà pour celui-là. Ensuite, je me suis pris des pinceaux à réservoir d'eau. Voilà, des pinceaux à réservoir d'eau. Ça fait un petit moment que je l'ai cherché puis que je ne les avais pas repérés. Donc là, ce matin, je les ai trouvés. Voilà. Hier, quand je suis allée à Action, il y avait tous les rayons, ils étaient quasiment vides. C'était vraiment... J'ai discuté avec une vendeuse et elle me disait comme ça qu'ils avaient beaucoup d'arrêts maladie. Donc c'est franchement pas évident. Hein. Donc ils font ce qu'ils peuvent, hein, je comprends. Mais c'est vrai que des fois, ben, on a envie d'avoir les nouveautés. Voilà, ben, c'est comme ça. Voilà, donc ben ça c'est des pinceaux à réservoir d'eau. Il y a l'air d'avoir trois. Je vais vous ouvrir pour vous montrer. Il y a l'air d'avoir trois grosseurs de pinceaux. Ils sont pas très grands, mais voilà, donc ça fait un peu ça. Voilà, donc on met l'eau par ici. Et voilà, je sais pas au niveau du débit qu'est-ce que ça donne. En tout cas, le pinceau est très très doux, très agréable. Bon, c'est synthétique. C'est pour l'aquarelle. Voilà, donc après on a, hop là, une pointe plus, alors est-ce qu'on voit là, voilà comme ça, c'est pas toujours facile de faire comme ça, c'est une nouvelle prise de vue, faut que je m'habitue, et un autre un peu plus dans les, voilà, je monte un peu, je commence à être trop basse, voilà, ça va, ça le fait. Voilà pour ça, les pinceaux à réservoir d'eau, ça nous a coûté combien? Les pinceaux. C'est des mini, 0,99€. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris quelques nouveautés. Donc j'ai trouvé, voilà, éloigner un petit peu ça, voilà, ce matin-là. Éloigner ça là, voilà, un peu d'espace pour vous montrer ceci. Voilà, les 4 boîtes de Metallic Brush Pens. Donc, il y a 4 boîtes. Donc, on a celle-ci. Je ne sais pas la couleur, je ne sais pas. Je pense que ça reproduit quand même assez fidèlement la couleur. Voilà. Je vais vous montrer à l'arrière. Ils ont l'air très sympas. Hein, voilà.
Alors souvent, il y en a qui font des essais. Je le ferai peut-être. Donc ça, ce sont les couleurs. Donc à l'arrière, c'est celui-là. Je me demande si ce sont les mêmes couleurs qu'on a déjà eues lors de la dernière fois. Je ne sais pas. Peut-être des nouvelles couleurs. Il a l'air d'avoir vraiment des couleurs sympathiques. Voilà celle-ci. Et vous, pardon, c'est marqué là, la croix à chaque fois de ce que c'est comme couleur. Donc il y a 4 paquets. Et donc dans cette série-là, il y aura 4 paquets. Et donc celui-là correspond à ce paquet-là. Voilà. Donc ça permet de ne pas se tromper aussi. Hein. Peut-être un plan. Voilà, quand on... Voilà pour les couleurs. Un, deux, trois et quatre. Voilà. C'est bon, j'en ai pas en double. Voilà pour ces feutres métalliques Brush Pens. À l'occasion, il faudra qu'on les essaye. Et là, c'est juste montrer un peu les achats du jour. J'ai trouvé également d'autres sortes de feutres. Alors, ce sont des marqueurs pour textile. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc, j'ai dit, tiens, je vais en prendre pour essayer. Moi qui aime bien aussi tous les tissus, tout ça. Donc, je voudrais vraiment tenter l'affaire. Ça s'appelle Fabric Markers. Donc, on peut écrire sur les tote bags, par exemple, les t-shirts, des choses comme ça. Voilà, plutôt sympa. Hein, voilà, les couleurs. Donc là, j'ai trouvé 3 paquets, 3 packagings différents. Ça a l'air vraiment sympa. Voilà, deuxième paquet. Je vous montre l'arrière avec les couleurs. Voilà. Et dans la même série, on a une troisième boîte. Donc j'ai trouvé que 3 boîtes. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, je ne pense pas. J'ai tout bien regardé. J'ai essayé en tout cas de ne pas me tromper. Voilà. C'est plutôt pas mal, hein, comme... Ça a l'air sympa comme couleur. Après à tester, voir sur les tissus comment ça marche. Voilà. Et puis j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. C'est vrai que je les attendais un peu. J'adore les paillettes. Très jolies les paillettes. Donc voilà, je trouvais 3 paquets. 3 paquets avec ces couleurs-là. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Il y a vraiment toutes sortes de paillettes. Il y a d'avoir des plus grosses en bas, des moyennes ici, les plus fines en haut. On dirait que c'est rangé comme ça. Donc avec ces couleurs-là. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ensuite, j'ai trouvé dans les tons blanc, jaune, rouge. Ça a l'air d'être ça, rouge. Je pense que c'est pas rose, c'est rouge. Voilà, c'est que ça brille pas. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal aussi. Donc ce sont des paillettes métalliques. 7 de paillettes métalliques mat, 12 pots à paillettes contenu 4 paillettes fines. Ben voilà ce que je vous disais, 4 paillettes ultra fines. Et 4 grosses paillettes. Donc c'est plutôt sympa hein, comme chose. Et ici, j'en ai trouvé un autre. Et ça, c'est dans les tons rouges. Ouais, celui-là, je l'avais pris en 2 fois. Et je regarde dans ma poche. Je suis désolée du bruit. Alors... Est-ce que... Je ne me suis pas trompée de couleur. Je crois que je me suis trompée de couleur. C'est pas grave, j'y retournerai. Apparemment, non, c'est pas les mêmes. Voyons voir. Ça c'est blanc, c'est parce qu'il y a des blancs à gauche ici. Non, c'est pas les mêmes, on dirait. Là, c'est rose. Là, c'est rouge.
Voilà, on dirait que c'est ça. Après, voilà, à confirmer, mais voilà, je crois qu'il y a trois paquets différents. Voilà, j'espère que la prise de vue, elle est pas mal, parce que je vois pas forcément. Voilà. Alors, je vous ai pas donné le prix de. Alors, les feutres Markers, Fabric Markers, les feutres pour textile. Donc, ceux-là, ils coûtent métallique, 8 pièces. Feutre pince. Feutre pinceau. Les feutres pinceaux, ça doit être ceux-là. C'est les brushes. C'est ceux-là. Alors, ceux-là, ils coûtent 2,24 € pièce. Voilà. Ensuite, marqueur textile. Donc, ceci, 2,25 pièces. 2,25 €. 1 centime de plus que l'autre. Ça va. Ça reste correct. Et ensuite, les paillettes. Les paillettes, ça coûte. Alors, vous êtes parti où? Les paillettes. Paillettes. 2,49 €. Voilà. Voilà pour ce petit haul. Alors, je vais faire une petite pause. Mon chéri, hier, m'a trouvé autre chose. Je vais vous montrer. Regardez, je voulais vous montrer ça. Ça, c'est une nouveauté qui vient de sortir. Donc, ce sont les métalliques aquarelles. Donc, les petits. Il y a plein de couleurs, c'est plutôt sympa. Bon, je n'ai pas très envie de les déballer pour l'instant, parce que sinon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de couvercle. C'est juste un bout de blister qui tient tout ça. Donc, attendez. Je vais au moins enlever ça, ça peut être sympa. Voilà. On va enlever ça, regardez. Donc, ça se présente comme ceci. Regardez-moi toutes ces jolies couleurs. Donc, à voir. Vous voyez, c'est assez contrastant pour une personne qui voit mal les couleurs. Mais en même temps, voilà, j'adore les couleurs et je ne m'en priverai pas, même si je ne les vois pas toutes très bien. J'ai envie quand même de le faire. Et puis, voilà, je me suis dit, allez, lance-toi à l'aquarelle. On verra bien un petit peu qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc, ici, on a un pinceau à réservoir d'eau, un petit pinceau, une gomme, un crayon en papier. Là, je ne sais pas trop ce que c'est, ça doit être une mousse pour absorber. Puis ben là, tous les petits carrés de couleur métallique. Ça a l'air sympa. Donc ça, je sais que c'est moins de 3 €. C'est peut-être 2,49 €. Et j'ai pas le ticket là à ma portée. Donc je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis encore. Mais voilà, les tickets à l'occasion, je retirerai ça. Mais peut-être celui-là. Non, c'est pas celui-là. Bon, c'est pas grave. Voilà pour ce petit haul action. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, que vous aurez le plaisir de trouver tous ces jolis produits dans votre propre action. Et puis, comme ça, vous faire du bien et vous faire plaisir. Voilà, bah, écoutez, j'étais ravie de vous tourner ce petit haul. Et puis, j'espère que vous avez eu plaisir à m'écouter. Et puis, à partager avec moi ces petits instants. Voilà. Donc, c'est moi. Voilà. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et je vous remercie de votre fidélité et puis de participer au développement de ma chaîne. Voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. Et puis, si c'est le cas, vous pouvez toujours liker. Commenter, j'aime bien lire vos commentaires, vous connaître, etc. Et donc pouvoir partager avec vous d'autres choses, voilà. Eh bien écoutez, scrapez bien et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye, au revoir, prenez soin de vous.